Bah, vas-y. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour. Alors, on est à Ronda, en Espagne, et on va faire nos premiers tapas. Oui, du coup, oula, on savait pas quoi choisir, il y a tout ça. Donc on a dit, un de chaque. Alors ça commence. Ça, pause. Donc on va partager et on va goûter ça. Non, tu manges pas tout de suite, tu attends, on va partager. Oui, j'en mange une. Non, on partage, il n'y en a qu'une seule à chaque fois. T'as trop faim. Qu'est-ce que c'est bon. Daphné devient une Instagram food ça, lifestyle. Ça, c'était trop bon. Ça, j'ai pas goûté. Alors Daphné, tu vas ouvrir un Instagram food. Ça veut dire pour la nourriture. Non, je vais t'aider. Tu mets la nourriture quand tu la mets sur ton blog. D'accord. Bon, et toi, tu m'aides à la manger surtout. Ah ouais, c'est super bon. C'est vraiment très très fin. Je voulais vous parler de... C'était bon déjà? Excellent. C'était pas mal. Hein. Les fraises. Ouais, les fraises et la viande et tout. Alors on était à... Seipart. Et je voulais prendre 2 secondes. Liam, il va faire des grimaces derrière moi, je sens pendant que je parle. C'est un petit peu bruyant. Il y a du passage. Donc je vais rentrer dans le restaurant pour vous faire une aparté. Ah mais il y a de la musique. Déjà c'est très joli. Pour vous dire comment j'avais trouvé ce restaurant. Et en règle générale, comment on cherche les restaurants quand on visite des villes. Tout simplement en fait on demande aux locaux. C'est-à-dire que dès qu'on croise quelqu'un dans la rue, on lui demande s'il habite là et où est-ce qu'il a l'habitude d'aller manger pour découvrir la gastronomie de sa ville ou de sa région. Et là, la dame qu'on a croisée nous a vraiment donné une super adresse, ça s'appelle Tape Art. Et c'est mais succulent, c'est tout maison. Et pour vous donner un ordre d'idée de prix, les tapas c'est entre 1,50 et 2,50, ce qu'on a mangé. Et les desserts entre 2,50 et 4 euros. Donc c'est très raisonnable. Et puis l'accueil est vraiment super, c'est très joli à l'intérieur aussi. Nous on n'utilise pas du tout TripAdvisor. Et ce genre d'application, mais par contre, on demande aux gens dans la rue où ils ont l'habitude de manger. Voilà, tout simplement. Allez, on va visiter Ronda maintenant parce qu'il faut qu'on digère. Accroche-toi à la barrière. Oui, il faut que j'arrive à avancer. Oh, c'est tellement ridicule cette sorte de vertige. Oh, les petits chats. Ah oui. Oh, oh, punaise, on est vraiment très 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 haut en fait.
Vous êtes trop des malins. Et allez, trop, je suis trop mignon. Mais on n'a pas acheté de gâteau. Non, Liam, non, non, non. Ben oui, ça court, il a peur de toi. Laisse-le tranquille. Mais il a pas de roue, celui-là, c'est une femelle. C'est surprenant quand même, non? Bon, on continue cette petite visite de Ronda. C'est une ville qui est charmante, par contre, qui est quand même pas mal touristique. Mais dès qu'on sort un petit peu du circuit classique et qu'on va se perdre dans les petites rues, il n'y a plus personne, donc on va continuer, ça fera une petite balade de quelques heures. C'est très très agréable, je vais vous montrer la vue qu'on a ici, et il n'y a quasiment personne. Arabe. Et ce qui est rare à Ronda, l'entrée est gratuite.
très grand, mais c'était très intéressant parce qu'en fait c'est un film qui a été diffusé et qui explique surtout pour les enfants quel était le mode de vie à l'époque. Ça leur a permis de se projeter dans l'histoire de cette ville et de comprendre un petit peu comment vivaient les habitants à l'époque, tout simplement. Donc c'était assez intéressant. On va continuer la balade parce que je crois qu'ils veulent faire le goûter. Maman, le goûter! Typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur un petit chemin de traverse et on a la vue qu'on est tout seul. C'est ça, beaucoup moins de monde. Ah, ben, personne. Voilà, tranquille. On est bien. Bon, ben, on vous montre ça vite fait. Et puis après, on reprend notre marche. Ça vaut quand même le coup, on va rouler une bonne vingtaine de minutes et je vous montre, on essaie d'arriver avant le coucher du soleil qui est là-bas, là il est en train, mais ça va être compliqué. Ouais. En tout cas on va vous montrer où on dort parce qu'à mon avis ça va être très sympa. Très beau. Bon, je vous montre la route déjà. On vient de trouver un tout petit parking histoire de profiter du coucher du soleil, les derniers rayons du soleil, et c'est très 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 beau. Vite on leur montre, mais vite on regarde pour nous, et vite on regarde pour nous surtout. Dernier rayon du soleil, c'est trop beau, on vous montre ça. C'est trop beau.
C'est tellement beau, je m'y attendais tellement pas. Bon, c'est pas très large, mais c'est vraiment très 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 beau. Et on a perdu la course contre le soleil. Il va faire nuit. On arrive dans 5 minutes? Bon ben ça va alors. Mais c'est vraiment très très beau. C'est particulier comme ambiance, hein. On a perdu la course contre la montre, la course contre le soleil. Il fait nuit. On est arrivé juste à temps sur le petit chemin. On en a plein les pattes, donc ouais. On va aller faire rapidement à manger et je pense qu'on va bien dormir. On est dans un spot magnifique, ultra calme. On a vu ça en arrivant. Vu qu'il fait nuit, on va vous montrer ce spot de rêve demain. Enfin, dans le prochain vlog. C'est ça. Si vous avez aimé cette visite de Ronda autant que nous, bah, vous pouvez nous le faire savoir. Laissez-nous des petits messages aussi. Ouais, des commentaires, on adore discuter avec vous. On vous dit à très vite. À très vite. Des bisous. Des bisous.